Eh bien, bonsoir, 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 ce soir, mercredi soir, 12e session de Bienvenue chez les Vikings. Assassin's Creed Valhalla. Et on va continuer, bah là on s'était arrêté la semaine dernière. C'est sur, c'était sur, non pas les achats, non, ça va, on s'en fout. Je faisais le tour de ma zone, c'est ça. C'est ça, je m'étais juste rapproché juste avant de partir. Et je faisais tranquillement le tour de cette zone avec la quête principale qui se trouve où? Ah bah... Ok. Je vais à l'endroit de la quête principale. Juste faire le tour de la ville avant. Et lancer la quête principale. Il y a du son. Tout va bien. Nickel. Allez, c'est parti. Je vais commencer par te taper des piafs sur le passage. Mieux vaut porter ma capuche ici. Ah, c'est pas un lieu ami. Ces soldats semblent bien tendus. Alors, sachant que j'ai une course à faire. 27, bah, j'espère que j'ai pas trop me fait engueuler. Ok, je pensais faire un sprint comme d'habitude, mais visiblement, on voit tous un schéma de symbole Doki. Dokito. Ok, ensuite, ça sert à me recruter, donc toi. Ah oui, il est... Hein, au-dessus? Ah oui, mais ça doit être... Je pense pas que je puisse casser cette vitre. Vitre. De toute façon, il y a rien derrière. Au niveau du toit, mais... Il y a une roche pour entrer. Ouais. Bon. Puis ça se trouve, la quête principale va tout ouvrir. Porte barricadée, ok. Ah oui, ils sont vraiment... Pourquoi portes-tu une capuche? Arrête-toi! Mais attaque. Ah, pas de piquer. Ah oui, par contre s'il me part... Dieu ne nous laissera pas perdre. Oh. J'ai plus peur. Ah
Ouais, c'est deux coups. Deux. Ah, même pas. Ah, t'as ramassé la... Ah, je peux la ramasser ? Oui. Okay. Bon. Passez sur le côté ! C'est un chien qui me tire dessus tout à l'heure. Bon, pas partir de là, je fais ce que je veux, hein, de toute façon. Tenez bon, ça va aller. Ah, je vais casser le travail. Je vais les ramasser. Cette termine n'en a plus pour longtemps. Ça fait qu'on tient un peu de bon acier. Allez mes frères, finissons-en. Ah d'accord, vous tirez. Donc du coup, on peut en faire ça. L'autre côté doit être barricadé. Ah mais, il est tout barricadé là-dedans. Donc c'est pas là-dessus? Non. Que je voulais taper. Merde. Porte verrouillée. Ah, la clé. Il faut la clé. Excusez-moi. La clé qui est très 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 loin. Chercher le truc que j'ai oublié tout à l'heure en passant à côté. Ça peut commencer à bouger. Ça va pas changer. Ouais. Ah, ça, je peux monter un peu plus haut que. Là. Ah non, il me remet à moi. Et là. Voilà.
pas m'acharner sur cette échelle parce que je pense qu'elle est bien buggée. En attaquant. Soldats laissent toujours du sang derrière eux. C'est toi qui tiens cette taverne ? Tu n'es pas le bienvenu. J'ai eu assez d'ennuis avec des Danois pour la journée. Je ne suis pas venu te causer d'ennuis. Je cherche mon frère, un homme du Nord, imposant. C'est lui qui a créé tout ce fracas. Lui et l'autre qui était là aussi à parler au Fein Gedrich. Ensuite, les soldats de Dame Edwin sont venus. Ils se sont battus. Ton frère et l'homme à la peau sombre sont repartis. Les soldats se sont emparés de Gedrich. Ça m'a fait de la peine. On l'aime bien par ici. De quel côté est parti mon frère ? Que donnerais-tu pour le savoir ? Je te pose une simple question. Écoute, Danois. Si jamais tu te mets à cogner, j'appelle les soldats. Tu as l'air de respecter ce Gedrich. S'il parlait à mon frère, c'est parce qu'il souhaite ce qu'il y a de mieux pour ce comté. Peut-être que cela te plairait que l'Oxenfortscher soit libre et décide lui-même de son sort. Peut-être que tu es prête à agir pour ton village et que tu refuses le poids de l'oppression. Je crois bien que oui. Une femme telle que toi m'aidera à trouver les amis de Gedrich. Tu as raison, oui. Ton frère et son ami sont sortis par cette fenêtre et ont filé en direction de la rivière. Je parie qu'ils se sont cachés dans une des cabanes à poissons. Ok. Sigurd et Basim sont partis vers le sud. Ils n'ont pas pu aller loin. Je vais suivre la rivière. Ah oui, d'accord. Ah, je le voyais. Ah non, c'est pas tout. Si, c'est tout. Bizarre. Ah, c'est le bon. Pas bien, je crois, je pense. Attends. Brandt was mit era, Sarah. The cross weighing air. Okay.
Non. Je dois passer de l'autre côté. Ça a l'air plus ouvrable de ce côté-là. Soit bizarre, soit c'est scripté. Ça doit être bloqué depuis l'autre côté. Non. On peut imaginer par le dessous. Mais... que j'ai déjà une vision pour les fenêtres entre-ouvertes, ça marche à rien. D'ailleurs je peux upper des stuff. Bon. Pas fou ici hein, quand même. C'est vraiment tout est bloqué hein. Je vais me concentrer sur cette quête qui ça se trouve me débloque la zone. J'ai pas de pointeur sur la carte, merci. En face de moi. Celle faite par les armes saxonnes. Je sais où chercher ma proie. Qu'est-ce que je viens encore déclencher? Truc multijoueur. Oh.
Oh, comment je fais ça? Tu vas crever! Est-ce que je peux me remettre la quête? Ah oui, c'était plus long. Ça, ce ne sont que des flèches. Ok, flèche. Je crois que c'est la guitare. Ça sent fort le poisson. Parfait pour se cacher. Sale, Eivor. Ah, tu as failli finir en morceaux, ami des loups. Tu as les nerfs à vif, mon frère. Cela ne te ressemble pas. La moitié des soldats du comté nous traquent. Tu as dû t'en rendre compte. Ah, voilà pourquoi tu n'es pas rentré chez toi. Tu joues à cache-cache avec les soldats de Mercy. Ton frère est très occupé, Eivor. Il a des devoirs urgents. J'ai grand plaisir à te revoir, Basim. Même si tu as laissé mon frère n'en faire qu'à sa tête. Mon rôle n'est pas de tenir ton frère par la bride comme une pouliche. J'aime assez cette image. Mon frère, nous devrions être en train de forger des alliances. Renvoie cet homme avant qu'il ne te pousse à te fourvoyer. Eivor, par tous les dieux, je suis heureux que tu sois parmi nous. Nous avons fait de grands progrès en matière d'alliance. Un Fein d'ici appelé Gedrich m'a prêté serment. J'ai entendu ce nom. La tavernière a aussi parlé d'une certaine dame Edwin, qui commande aux soldats. Pourquoi ne pas s'allier à elle? Le mari d'Edwin était l'Eldorman du comté. Jusqu'à ce que l'armée de Guthrum lui ôte la vie. Elle a repris le combat de son mari, avec la promesse d'une aide de la part d'Elfred du Wessex. Edwin a juré de se venger des Danois qui lui ont pris son mari et ses moyens d'existence. D'après ce que nous savons, Elfred est un roi redoutable. Si Edwin obtient son soutien, le Wessex s'emparera de ce comté. Alors, pour la combattre, tu as offert ton épée à un Thane, probablement à la tête d'une bande de paysans et de pêcheurs. Aie confiance, Eivor. Quelques centaines de Saxons armés de fourches et de serpes peuvent être terrifiants. Peste. Tous les hommes et les femmes, nobles ou paysans, ont en eux le germe de quelque chose de plus grand. C'est vrai. De tellement grand qu'un esprit ordinaire ne peut le voir. En tout cas, Edwin tient Gedrich en ce moment. Votre belle manœuvre est tombée à l'eau. Pas si l'on fait vite. Elle a fait venir ses prisonniers dans la Maison Longue. Grâce à toi, on peut lancer une attaque surprise. Si Gedrich est notre meilleure chance de conclure une alliance, allons-y. La pierre de la Palatine. Je sais pas si... Basim a-t-il fait mention d'une récompense? Eivor, tu n'as plus foi en mes talents de combattant. Je tiens compte de ce que dit Basim, mais c'est moi qui commande, toujours. Il a pourtant l'air de quelqu'un qui ne croit qu'en lui-même. Basim est le naturel secret. Il est sage et direct. Et il m'a ouvert. Il fallait être discret, excusez-moi. Oh, j'ai eu un effet de... Pas ses PV, continuons. Ok, donc. Basim est d'un naturel secret, mais il est sage et direct. Et il m'a ouvert les yeux sur une vérité magnifique.
Il m'a promis une récompense si inhabituelle, si incroyable, qu'elle fera voler ton esprit en éclats. Mon frère, notre lien a le poids d'une hache de guerre. Ne laisse pas Basim et ses prophéties de bonne fortune t'écarter de notre but. Jamais. Je n'oublie pas ce but. Nous serons bientôt les seigneurs de la Mercy, puis de toute l'Angleterre. Mais Basim est d'une grande sagacité. Il a lu la sagesse sur les traits de mon visage, et entendu la litanie de mes ancêtres, et... J'ai le gosier qui commence à se dessécher. On va en parler de ma saga plus tard. Genre pop. Il a tiré où là ? Okay. Ah bah un piqué qui est pas une pique. Ah c'était un contre que je voulais. C'est bon. J'ai peut-être regardé de l'autre côté. Hein. Dans cette maison, mon Gary, c'était bien scripté. Mais attends, force ouverture. Un coup de main par ici. Sigurd, tu cette saleté de pécheresse. Mm-hmm. Pas un geste. Ce traître de Gedrich sera jugé. Comme tous les saignes félons de ce comté. C'est toi la traîtresse, Edwin, à supplier Elfred du Wessex à demander l'aide de son armée. Tais-toi, Gedrich. Tu n'es que le chien des Danois. Tu vas tous nous vendre au Wessex. Et à ce maudit bâtard d'Elfred. Pas question. Tu n'es pas Eldorman, Dame Edwin. Fais demi-tour et va-t'en. Et nous te laisserons vivre. Vipère danoise à la langue fourchue. Chien nauséabond, je vous conchis tous. Femme, tâche de mieux choisir tes mots. Car tu as devant toi le futur maître de l'Angleterre, Sigurd, du clan du Grand Corbeau Affamé. Dépose les armes, libère mon ami, et baisse-moi les pieds. Je ne t'accorderai qu'une seule chance. Sigurd, qu'est-ce qui te prend ? Et toi, tu peux embrasser mon cul vermeil, face de craie. J'en ai fini avec ces charognes, je vous les laisse. Écorchez les vivants et taillez-vous des selles avec leur peau. La mort de Gedrich ! Qu'est-ce qu'on t'a fait ? Quel pourquoi t'es-tu retrouvé ? Détache-toi ! Je peux me battre contre ces chiens ! Mon destin est là ! Je m'occupe de ces vermines ! Ok, pardon. Du sang pour le monde ! Okay. Ah oui, d'accord, tu es tout à fond d'arme. Tiens. Je vais tomber cette oiseau de perchoir. Cette harpie affilée, maudite soit-elle. Bon Dieu. Tu te bats bien, et c'est une chance. Gedrich, voici Eivor, mon frère au bras de pierre. Bonjour. Que voulais-tu faire, Sigurd ? La charmer avec ton vague espoir de royauté ? Une prophétie, Eivor. Pas un espoir. Ce n'est pas le moment. Edwin tient la plupart des saignes du comté. Si on la laisse faire, ils seront morts ce soir. Pense tes plaies, Gedrich. Nous allons libérer tes amis. Et cette sainte femme, Fulke ? Tu nous as promis une entrevue avec elle. Oui, c'est vrai. Mais je me demande pourquoi vous voudriez... Où est-elle ? Le Seyn Holt le sait. Fulke vit sur ses terres.
Mais si vous n'empêchez pas ce procès, il mourra avec les autres. Dis-nous où nous devons aller. Leur vie dépend de l'agilité de ta langue. Au sud-ouest d'ici, à mi-chemin d'Oxenforda, la garnison de la villa de Lee. Basim, Eivor, à cheval. Ok. Y'a un truc à ramasser là-dedans. Non, événement terminé. Bête. Ah, ça c'est le... Ça va être la plaquette que je suis en train de faire. Ah, ils me suivent. Derrière. Il me fait ça trop là-dedans et je monte le long du mur. Comme ça. C'est pas... Non, 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 tu montes. Oh là 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 là.